On représente souvent le Gaulois muni d'un casque à ailes et affublé de longues moustaches, comme sur cette statue d'Ambiorix qui se trouve à Tongres et a été réalisée au XIXe siècle sur base exclusive de témoignages grecs et latins. L'archéologie a permis aux historiens de rectifier cette image quelque peu caricaturale. Les Gaulois ont pu aussi porter des cheveux courts et, à côté de quelques casques d'apparat exceptionnels, ce sont des dizaines de modèles plus simples, parfois munis de protège-joues, qui ont été retrouvés par les archéologues.